Je suis tellement contente, j'ai reçu le tapis éducatif pour apprendre la salade à vos enfants, mais aussi pour les personnes converties qui veulent apprendre la salade de la meilleure façon, parce qu'en fait j'ai reçu beaucoup de messages de convertis qui n'arrivent pas à apprendre la salade, parce que c'est assez compliqué. Il y a de l'eau ou au dos avec les pieds mouillés. Elle est disponible en 11 langues. Je vais vous expliquer comment il est. Donc il se présente comme ça, il est vraiment très très fin, donc vous pouvez l'emporter partout. Il est, vous voyez, la matière perméable pour que les enfants ne le tâchent pas en fait. Comme ceci. Je vous montre de loin. Donc, ce qui est bien, moi, c'est qu'en fait, il y a les positionnements des pieds, des genoux, des mains, du nez, en fait, pour que votre enfant apprend vraiment le bon positionnement de la salade. Ensuite, vous avez juste à mettre des piles au niveau d'ici. Vous l'allumez. Et là, je vais vous expliquer. Donc, avec, vous avez des notices, bien évidemment. Là, je vais vous montrer. Donc, une notice N, les deux A, et un manuel, donc explicatif, pareil. Vous avez trois manuels. Explicatif, donc avec toutes les explications. Vous avez aussi des jeux, donc pour expliquer la salade, pour expliquer le bourdeau, etc. Vous avez aussi en phonétique le L. Là, il se présente comme ça, le tapis. Là, je l'ai allumé. Donc là, vous choisissez votre langue. Al-Arabiya, français. Donc moi, j'ai choisi français puisque je suis française. Ensuite, donc là, vous allez en fait juste appuyer. Donc c'est interactif pour appuyer, c'est mieux pour mieux les enfants. Donc par exemple, pour commencer, vous faites le Le wudu. wudu est la façon dont nous nous nettoyons avant de prier. Avant de faire le wudu, il faut dire bismillah. Donc après, Notre elle explique enfant le wudu, part nous comment laver les mains. Ensuite, ça se nous fait. rinçons la bouche et le nez et lavons Ensuite, les Eden. pattes. Après cela, nous lavons les bras jusqu'au cou. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Il y a aussi deux A Allahu pour l'Eden. L'intention. Attention, Mia. Avant de prier, il faut penser et se rappeler que nous faisons la prière Donc, pour en fait, vous atteindre avez le juste à but. suivre. Prière Prière. signifie se lever. Nous nous levons pendant le Ensuite, là, vous parti avez de la Salat prière. Fetha. Ce qui est bien, en fait, c'est que vous avez les sourates les plus simples à apprendre, qui vont réciter. Donc, en fait, c'est très très lent, donc la personne pourra réciter derrière. Ensuite, vous avez, donc, on suit la salade. Soujoud, la doha pour soujoud, etc., etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour finir une rak'at et ensuite recommencer pour en faire deux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, vous avez les cinq prières et en fait, vous avez juste à, enfin, votre enfant a juste à appuyer pour savoir combien de rak'at il doit faire. Nous prions le Fajr quand il commence à y avoir de la lumière avant le lever du soleil. Voilà Le ça. Asr, nous prions l'Asr en fin Donc. d'après-midi. Le nombre de Fajr pour l'Asr est de 4. Donc en fait, il a juste à appuyer pour faire sa salade. Il sait combien de rakat il doit faire. Il a juste à suivre en appuyant, en appuyant. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a les deux A. Je trouve ça super bien. Et là, les sourates importantes à la fin de salade. C'est que c'est non inflammable. Au niveau de l'eau, l'opacité, elle ne passe pas. C'est super simple à ranger. Franchement, pour les enfants. Moi, je sais, mes cousins, mes cousines, ils ont eu du mal à apprendre la salade. Et en plus, c'est ludique en fait. Donc, après, enfin, ils voudront limite jouer et apprendre la salade. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, là, ils vont apprendre vraiment bien. Regardez, écoutez. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim.